7 Pro, Lego 33 et l'autre L. Et aujourd'hui, je vais vous présenter, je sais plus son nom, c'est l'ATR, un AT-AT, voilà. Donc du 8. Très bien fait, très détaillé, je trouve. Donc, commençons par la cabine. Donc, très bonne cabine avec missiles. Encore des missiles, il y a encore un missile là. Beaucoup, quand on ouvre la cabine. Attendez. Il y a donc un pilote qui commande donc le TAT. Ici on a un missile qui marche avec ça. Quand on pousse, c'est pas du tout le missile comme ça, mais moi j'ai peur donc c'est pas vraiment ça. Donc voilà. Ici, il y a les pattes. Les pattes, donc. Voilà. Donc, les pattes sont articulées. Vous n'allez pas faire ça maintenant. Je vais pas le faire maintenant parce que c'est un peu compliqué. Donc, ici, il y a le bas des pattes. Que je trouve plutôt bien. Très ressemblant de Star Wars 8. Ici, il y a. Donc, là. Les deux autres pattes. Voilà, les plus simples. Puis, tout s'ouvre. Oui, ici, j'ai mis un stand un peu, il était debout. Donc, on peut le mettre debout. Donc, voilà. Donc, je referme. Ici, quand je fais ça, il y a un. C'est une caisse où il y a des missiles à l'intérieur. Voilà. Ça se fait. Et c'est la même chose de l'autre côté en gros. Enfin, pas vraiment. Pour un des côtés, non. Attendez. Ici, c'est pas vraiment. Là, il n'y a pas de boîte, mais c'est juste des missiles tout simples. Donc voilà. Ça, c'était présentation du TAT simplement. Ah oui, et ici, il y a juste les petites. Je sais plus trop ce que c'est des canons, des, je sais pas quoi, ou de la réserve, je sais pas. Donc voilà, hein, donc tout est articulé. La tête bouge, et tout qui bouge. Franchement, je vous conseille de l'acheter parce qu'il est franchement bien fait. Donc voilà, c'était Pro Lego 33. L et Minecraft L. Voilà, à plus.